Salut, zami mwen. Jodi a, nan numéro 318, nan rubrique noua, ma Bible, mon trésor, toujours nan ti kozé sous connaissance sous mon Dieu, nous allons faire un survol sur l'amour de Dieu. Oui, mes amis. 1 Jean 4, le verset 8 nous dit Dieu est amour. Et nous sommes tous conscients que l'amour de Dieu est un sujet très, très important. Parce que premièrement, l'amour de Dieu est à la fois l'attribut le plus connu et le plus méconnu de tous. Et deuxièmement, nous avons tellement soif d'amour, mais un amour patient, plein de bonté, qui n'est pas envieux, qui ne se vante pas, un amour qui ne s'enfle pas d'orgueil, qui ne fait rien de malhonnête, un amour qui ne cherche pas son intérêt, qui ne s'irrite pas, qui ne soupçonne pas le mal, un amour qui ne se réjouit pas de l'injustice, un amour qui se réjouit de la vérité, qui pardonne tout, qui croit tout, qui espère tout, un amour qui supporte tout. L'amour dont nous avons besoin est un amour croissant et éternel, un amour qui ne meurt jamais. Zami moi, tout bon vrai, ou besoin faire belle expérience l'amour ça. Moi espérer que vous pas mandé yon preuve de la supériorité et la priorité de cet amour. Nous t'ap si tellement gen réponse pour même que conscience ou t'ap reproché. Nous t'ap cité Romains 5 verset 8, mais voici comment Dieu prouve son amour envers vous, alors que vous étiez encore des pécheurs, Christ est mort pour vous. Tendez, l'amour de Dieu pour vous-même, c'est pas vous-même non qui mandez pour le remer. Dieu a choisi de vous aimer. Et parce qu'il vous aime, à l'instant où vous reconnaissez vos péchés, il est toujours fidèle et juste pour vous les pardonner et pour vous purifier de tout mal. 1 Jean 1er, verset 9. Bon, c'est vrai. Nous reconnaître, il y a un plus grand problème en ce qui concerne l'amour de Dieu, c'est que trop moun fait mauvaise expérience avec un prétendu amour que ça gâte la bonne conception que tu as de gagner de l'amour de Dieu. Nous pas envie dire pile bagaille dans domaine ça, mais imaginez deux moun qui mariés et en dehors de leur relation légale et légitime. Ça veut dire yon amant et une maîtresse. Y a tenté kembe yon liaison cachée et yon vle justifier relation adultère ça au nom de l'amour. 1 Corinthiens 13 verset 5 nous dit l'amour ne fait rien de malhonnête. Avant de vous proposer quelques définitions de l'amour de Dieu, moi t'a remé ou murmurer dans fond cœur. Bon Dieu créateur a remême. Bon Dieu créateur a remême. Tout bon vrai. Tendez bien. L'amour est un attribut de Dieu, un aspect essentiel de son caractère, de sa personne. L'amour est le souci désintéressé en vue du bien d'autrui. Dieu vous aime, mais il ne vous impose pas cet amour. Bon Dieu aime, mais il ne pas vous exploiter. Dans ce sens, l'amour est ce qui pousse quelqu'un à rechercher le bien suprême d'une personne. Tenez bien. D'après ça, nous lit la Bible, il est vraiment difficile pour nos anges comprendre et expliquer l'amour de Dieu. Pour qui ça? Parce qu'il n'a jamais vraiment goûté l'amour de Dieu pour lui. Mais, ou même, ou goûter l'amour de Dieu, ou faire expérience avec l'amour de Dieu, ou bénéficier l'amour de Dieu. La vie ou c'est résultat qualité l'amour bon Dieu gen pour vous. 1 Jean 4 verset 9. Dieu a manifesté envers vous son amour en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que vous viviez par lui. Ou qu'on est déjà Jean 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il est l'amour éternel. 1 Jean 4, verset 10. Et cet amour consiste non en ce que nous avions aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Zami mwen, bon m'dou un dernier bagay. Dieu vous aime sans condition.
pendant ou ap réfléchi et l'ouvri cœur pour recevoir l'amour de Dieu. Nous-mêmes, n'a cassé rendez-vous avec dans notre plus prochain numéro, toujours et encore, pour nous explorer l'amour de Dieu. Merci de votre écoute.